Na de interventie is nog een kleine tijdzone ingelast voor nog eventuele vragen. Maar om zo goed en zo kwaad mogelijk op schema te blijven, gaan we nu overgaan naar mevrouw Marianne Wijzers, die ons van de ULB komt. Zij zal het hebben over, nu hebben we een meer technische uitleg gehad over de Gestapo SIPO-SD. En zij zal er meer proberen een gezicht op te plakken. Zij gaat ons het voorbeeld geven van Otto Siegburg, die daar een lid van was en die na de oorlog dus voor de rechtbank is gekomen voor zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bonjour à tous. Je tiens à faire également mes remerciements à M. Bessao et à la Fondation Auschwitz pour m'avoir invité à cette journée d'études parce que ça me permet donc d'exposer comme ça. Oui, ok. Donc ceci va me permettre donc d'exposer un aspect de ma recherche. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du procès d'un Allemand, Otto Siegburg, qui fait l'objet d'un gros chapitre de ma thèse. Celle-ci, elle est consacrée au jugement par la Belgique des criminels de guerre allemands pour persécution anti-juive. Alors, avant d'aborder le procès proprement dit, il y a lieu d'expliquer qui est Siegburg, quel est son rôle et comment il procédait. Alors, Otto Siegburg a principalement fonctionné comme criminal secrétaire, c'est-à-dire une sorte d'inspecteur de police, à la section juive de Bruxelles entre mars 43 et décembre 43, ce qui correspond à la section 4B3 à ce moment-là de la SIPO. Alors, il est d'abord placé sous les ordres de Fritz Erdmann et en cas d'absence de celui-ci, de Kurt Asch. Et puis après, il va passer sous les ordres de Félix Weidmann. Ensuite, et jusqu'à la libération, il change de section et on le place à la 4C qui est chargée de la surveillance des étrangers. Alors cet homme est très tôt impliqué dans l'appareil nazi, puisqu'il s'inscrit dès mai 1933 au NSDAP, c'est-à-dire au parti nazi. Mais surtout, et c'est ça qui est important pour un peu cerner la personnalité, c'est qu'il incorpore en septembre 1939 au moment de la campagne de Pologne, l'Einsatzgruppe numéro 6 qui opère dans la province de Poznan. Et ces Einsatzgruppes sont chargés, avec les troupes de la Wehrmacht, de nettoyer le territoire au moyen d'une politique de terreur qui vise essentiellement, enfin dans un premier temps, les élites polonaises et aussi les populations juives. Et donc, ça signifie surtout que quand il arrive en 1943 à Bruxelles, eh bien, il a déjà intégré une expérience professionnelle qui inclut le meurtre collectif. Alors, quel est son rôle? Eh bien, il est essentiellement chargé de la recherche et de l'arrestation des Juifs. Alors, il est interrogé par les enquêteurs sur son travail et il le décrit avec pas mal d'aisance. Il trouve que c'est tout à fait légitime et naturel puisque finalement, il ne fait que arrêter des Juifs qui ne obéissent pas aux ordres du commandement militaire, c'est-à-dire ceux qui résident illégalement à leur adresse ou qui ne portent pas l'étoile de David. Eh bien, voilà, selon lui, pour sa défense, il obéit aux ordres et somme toute, il arrête les gens, les Juifs en infraction. Alors maintenant, comment procédait-il ? Mais le mode opératoire est toujours le même pour la petite dizaine de policiers qui travaillent à la section juive, c'est-à-dire que les arrestations se font par petites équipes de deux ou trois personnes. Il y a le policier, un chauffeur et éventuellement un informateur ou un interprète. Et Siegburg, lui, il travaille en binôme avec Isaac Goglowski, que tout le monde connaît sous le pseudonyme du Gros Jacques. Dans sa stratégie de défense, il reconnaît qu'une arrestation pouvait effectivement se faire avec violence, mais, dit-il, la responsabilité ne lui incombait pas, elle incombait aux Juifs eux-mêmes qui étaient coupables de s'enfuir
ou bien qui commettaient des infractions, ou alors à ces chefs qui donnaient des ordres pour recourir à la force. Alors, en guise d'illustration de ce que je viens de vous dire, voici ce qu'il déclare lors de sa première audition. L'arrestation des Juifs ne se faisait pas toujours sans incident. Il arrivait fréquemment que les intéressés cherchent à s'enfuir. Dans ce cas, l'arrestation se faisait par la force et la résistance était brisée. Je dois admettre que j'ai aussi agi de cette façon envers des Juifs et que j'en ai frappé, mais seulement quand ils donnaient des ennuis, par exemple, quand ils essayaient de s'enfuir de la maison, de la voiture ou encore quand ils m'attaquaient. Il reconnaît bien avoir tiré sur des personnes qui lui échappaient, mais toujours, dit-il, avec, en ayant utilisé la formule d'usage, c'est-à-dire « halte ou je fais feu ». C'est le cas d'un juif polonais qu'il avoue effectivement avoir blessé à l'épaule et à la main, mais c'était parce que, dit-il, en essayant de s'enfuir, il avait jeté une mallette contenant des objets volés. Des ordres pour un tel traitement étaient donnés par nos chefs et de grosses sommes d'argent étaient dépensées pour traquer et arrêter les juifs. Alors venons-en maintenant au procès proprement dit. Alors, celui-ci est particulier à plusieurs égards, mais surtout, et c'est le plus important à mon sens, c'est qu'il constitue une exception dans la jurisprudence belge. C'est-à-dire que ce criminel nazi est en effet le seul, à moins d'une nouvelle découverte, à avoir été condamné en Belgique pour crime contre l'humanité. Rappelons donc que la notion de crime contre l'humanité a été établie par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg et qu'à la différence du crime de guerre, il mentionne dans sa définition les persécutions pour motifs raciaux, politiques ou religieux. Or, tous les autres inculpés, sans exception, ont tous été condamnés uniquement pour crime de guerre. Ce fait a jusqu'à présent été totalement ignoré et cette étude permet donc d'apporter un élément nouveau à la connaissance historique des procès d'après-guerre. Le jugement du Conseil de guerre du Brabant a bien fait l'objet de quelques entrefilets dans la presse de l'époque, mais la publicité s'est arrêtée là, puisque même les revues spécialisées de droit n'ont pas mentionné ce jugement. Je signale aussi que ce jugement n'a pas fait jurisprudence. Alors, comme il n'y a pas eu de réelle publicité, eh bien, au fur et à mesure des années, l'idée s'est largement répandue selon laquelle le crime commis contre les Juifs n'a jamais été véritablement sanctionné. Mais le cas Siegburg, disons, constitue une exception à ce bilan négatif. Alors ce procès est aussi particulier parce que la place des témoins y est extrêmement importante, c'est-à-dire que les documents écrits, par contre, n'y occupent aucune place. Ce ne sont que les témoignages, soit des victimes, soit des personnes qui ont assisté aux faits, qui vont permettre au parquet et au Conseil de guerre d'abord de poursuivre et puis de condamner Otto Siegburg. Et enfin, il faut mettre l'accent sur l'action qui a été menée par le magistrat chargé de l'instruction. C'est le substitut de l'auditeur militaire Jacques Warnant qui, grâce à sa ténacité et beaucoup d'obstination, est parvenu n'a rien lâché dans cette affaire et est parvenu in fine à faire en sorte que Siegburg réponde de ses actes devant un tribunal. Venons-en maintenant à l'arrestation de Siegburg, suivie de l'instruction et du procès. Alors, il se livre lui-même aux autorités américaines en avril 1945. Il est ensuite transféré dans un camp britannique de Recklinghausen, où il subit un premier interrogatoire, et puis il est extradé vers la Belgique, qui le réclame. Plusieurs magistrats vont se succéder pour enquêter dans son affaire, mais c'est surtout, donc, comme je vous l'ai dit, le substitut Warnant qui s'en occupe, et ce, à partir de décembre 1947 jusqu'à octobre 1949, moment auquel une autre personne va lui succéder, c'est-à-dire le substitut Edgar Dubois qui prend le relais, qui fera une enquête complémentaire en décembre, donc en concomitance avec le procès. Le procès commence le 12 décembre 1949
Et au cours de cette enquête complémentaire, eh ben, il va obtenir des éléments nouveaux, des témoignages nouveaux, et donc ils seront quand même assez importants. Et il est aussi chargé d'occuper la charge du ministère public lors du procès. Maintenant, je me dois de donner quelques explications juridiques et disons un peu plus techniques qui sont nécessaires à la compréhension de l'instruction et du procès. Alors, la loi qui sert de base à la poursuite des Allemands pour les crimes qu'ils ont commis durant l'occupation est la loi du 20 juin 1947 relative aux crimes de guerre. Cette loi est une loi de compétence et de procédure, ça veut dire qu'elle ne crée aucune infraction nouvelle. Et cette loi donc donne compétence à la justice, juridiction militaire pour connaître de ces infractions. Alors, la loi dit qu'il faut remplir deux conditions pour qu'un criminel de guerre puisse être poursuivi. De un, et c'est la condition principale, c'est le fait qu'il a commis doit être prévu par un article du code pénal. Et ensuite, ce fait doit porter atteinte aux lois et aux coutumes de la guerre. Or, une série de faits nouveaux commis par les Allemands n'étaient pas prévus par le code pénal, notamment la déportation ou les persécutions. Donc, le législateur belge, le législateur belge, lui, ne veut pas prêter flanc à la critique et ne veut pas porter atteinte au fameux principe de la non-rétroactivité des lois, et donc il ne crée pas d'infraction nouvelle. Alors, pour essayer de trouver une solution et de pouvoir sanctionner quand même les crimes commis contre les Juifs, l'auditeur général Gansow van der Merch va élaborer un raisonnement, une construction assez osée, basée sur une interprétation de l'article 118 bis. Alors, cet article 118 bis punit de mort celui qui aura servi sciemment la politique et les desseins de l'ennemi. Gansow va lui proposer d'intégrer les persécutions dans cette fameuse politique de l'ennemi. Mais, ça marche jusqu'en 49 parce que en 48, il y a un arrêt du Conseil de guerre de Mons qui, dans un procès qui est mené contre la CIPO de Charleroi, eh bien, condamne un certain nombre des 21 inculpés sur base du 118 bis, et notamment le responsable de la section juive, Heinrich Knappkötter, pour persécution juive, mais sur base de l'article 118 bis. Seulement, en juillet 49, la Cour de cassation casse l'arrêt du Conseil de guerre de Mons en expliquant que l'article 118 bis vise essentiellement la trahison. Et donc, on ne peut pas demander à un ressortissant ethnique d'avoir un devoir de fidélité à l'égard de la Belgique. Donc, c'est rejeté et toute la construction juridique va s'effondrer. Il faudra donc à l'auditorat général, il leur faudra à chacun des auditeurs qui sont responsables de leurs affaires, eh bien, trouver des faits précis, ce qu'on appelle des crimes inspeciés et qui sont prévus par le code pénal et qui en même temps soient rentables en termes de peine, c'est-à-dire par exemple l'homicide, parce que là c'est un crime de sang et la peine est élevée. Si la peine est trop petite, ben, c'est pas la peine de poursuivre les Allemands. C'est la raison pour laquelle l'instruction de l'affaire Siegburg peut grosso modo être scindée en trois périodes, en trois phases importantes. Alors la première est centrée sur le rôle que Siegburg a joué dans la politique raciale justement de l'occupant, c'est-à-dire essayer d'établir combien de juifs il a arrêtés et envoyés à Malines, comment il procédait, est-ce qu'il y a eu des mauvais traitements, etc. En vertu de quoi, il est inculpé une première fois en décembre 1947 par Warnant sur base des articles 118 bis et 398 du code pénal qui visent les coups et blessures. Mais
courant de l'année 48, il y a déjà un débat qui se fait au sein de l'auditorat sur l'opportunité de poursuivre sur le 118 bis. On n'est pas encore sûr du fait est-ce que ça va marcher ou pas. Donc dans l'hypothèse où ça ne marche pas, ça ne marcherait pas et ce qui a l'air de plus en plus de se faire, eh bien il faut trouver absolument des faits précis. Et c'est ce qui correspond à la deuxième période, à la deuxième phase de l'instruction, au cours de laquelle Warnant enquête sur la participation de Siegburg à une fusillade qui a eu lieu lors du 21e convoi du 31 juillet 43, et au cours de laquelle Siegburg aurait tué un déporté qui aurait cherché à s'enfuir du train. Il enquête aussi sur le meurtre d'un juif cambrioleur dont je vous ai parlé plus haut. Mais les deux pistes, donc la fusillade du 21e convoi et le juif cambrioleur, n'aboutissent à rien. La troisième phase, qui est le véritable tournant de l'enquête, débute en avril 49, suite aux dépositions de deux victimes juives, Max Brunner et Sacher Hellmann, qui ont tous les deux été battus par Siegburg dans les locaux de la Gestapo. Ce sont surtout les dépositions de Max Brunner qui vont être déterminantes et qui vont permettre à Warnant de remonter jusqu'à d'autres témoins, lesquels rendront possible l'inculpation de Siegburg. Alors Brunner fait d'abord une première déposition le 14 avril 49. Il explique avoir été arrêté place Stéphanie le 11 juin 43 par des hommes de la CIPO. Donc il était en possession de fausses cartes d'identité destinées à des membres d'un mouvement de résistance, le mouvement national belge. Et il est ensuite emmené à l'avenue Louise où il est violemment battu à coups de bâton sur tout le corps. Le lendemain, il est évacué à Malines et il est déporté vers Buchenwald en décembre 43 dans un convoi Z composé de juifs turcs et juifs hongrois. Brunner est hongrois. Et celui qui est chargé de diriger ce convoi vers Buchenwald, eh ben, c'est Otto Siegburg. Deux mois plus tard, le 8 juin 49, c'est Hellmann Sacher qui est le deuxième témoin a porté plainte contre Siegburg. Alors il explique avoir été arrêté le 17 février 44 dans un café de la place des Gueux, puis conduit au 347 de l'avenue Louise où il précise qu'il a été incarcéré dans la cave numéro 7. Et donc il a reçu là une série de coups de poing de Siegburg. Maintenant, juste je vais préciser en ce qui concerne la question des numéros des bâtiments de la Gestapo, en fait, lors d'une des audiences du procès, eh bien, le père et le fils d'une entreprise de pompes funèbres ont fait une déposition selon laquelle ils avaient enlevé trois corps au numéro 510 de l'avenue Louise. Le président du tribunal interpelle Siegburg à ce sujet et lui il répond au début de son activité, il était au 347 et que les Juifs étaient conduits au 510. Donc, ce qui ne rend pas les choses très, très claires. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en février 44, eh bien, voilà, il y a des Juifs qui sont incarcérés au 347 et pendant une partie de l'année 43, des Juifs sont aussi battus et incarcérés au 510. Le 14 juin 49, c'est-à-dire deux mois après sa première déclaration, Max Brunner vient faire une deuxième déposition chez Warnant. Et cette déposition va s'avérer capitale pour la suite de l'instruction. Voici ce qu'il dit. Dans une cellule et durant la nuit, Siegburg a amené un homme qui était dans un état lamentable. Siegburg était suivi de deux ou trois individus qui étaient peut-être des SS de garde, je n'en sais rien. Siegburg m'a dit en jetant cet homme dans la cellule, « Regarde ce qui t'attend. » Cet homme m'a dit, « Ils sont entrés chez moi et ils m'ont terriblement battu. » C'était un juif et il m'a dit que sa femme et son fils étaient en Angleterre. J'ai connu cet homme avant la guerre. Il habitait rue de la Morinière 26 à Anvers. Étant dans ma cellule, ce malheureux s'est mis à vomir et une heure plus tard, il était mort. Je sais qu'il a été enterré en juin 43 au cimetière d'Etterbeek. Le corps de ce malheureux est resté dans ma cellule jusqu'au lendemain matin. »
Dans les jours qui suivent cette déclaration, il va s'installer une collaboration assez étroite entre Warnant et Brunner pour chercher à identifier qui est cette fameuse victime. Quelques jours plus tard, il découvre qu'il s'agit d'un certain Erner Hillel, mécanicien juif polonais, qui vit de divers trafics, mais qui lui ont permis d'acquérir une fortune importante. Déjà arrêté une première fois par la Feldgendarmerie d'Anvers, il fuit à Bruxelles sous un faux nom. Sa femme, qui est née en Angleterre à Broughton, et ses deux enfants ont effectivement rejoint la Grande-Bretagne en mai 40. Le plus gros problème de Warnant dans cette instruction, c'est de retrouver le lieu où Erner a été arrêté. Or, ce que le substitut Warnant ignore, c'est qu'il y a déjà eu une enquête préalable en 1946 qui a été faite par le parquet de Bruxelles. Autrement dit, il y a eu un dysfonctionnement, il n'y a pas eu de transfert d'informations du parquet de Bruxelles vers l'auditorat militaire. Mais, quoi qu'il en soit, Warnant obtient quand même ce dossier en juillet 49, et là, il va tenir un procès-verbal d'une première importance et qui constitue un procès-verbal qui est dressé par la police de Wemel et qui est relatif au décès de Erner, cette fameuse victime. Et ça, c'est le deuxième tournant de l'affaire, de l'enquête, parce qu'il tient enfin en main la pièce qui va lui permettre de coincer Siegburg. Et ce PV contient quatre témoignages. Témoignage du cousin de Erner, qui est venu signaler la disparition de celui-ci, et surtout celui des personnes qui ont assisté à l'arrestation d'Erner, qui vivaient clandestinement chez eux sous le faux nom de Van Langenhove. Il s'agit de la famille Duvivier, et Léa Duvivier va décrire une véritable scène d'horreur dans des termes dont il faut quand même souligner qu'ils sont dépourvus de toute empathie à l'égard d'Erner, parce qu'elle éprouve beaucoup de difficultés à le désigner autrement que par le juif. Alors, elle explique que vers minuit, les hommes de la Gestapo frappent à la porte de leur domicile. Le frère ouvre la porte pendant que Erner était en train de descendre dans les escaliers. Les hommes sont en tout au nombre de 6, il y a 2 Allemands et 4 Belges. Un des Allemands correspond au signalement de Siegburg, c'est-à-dire petit, gros et chauve. Erner est pris dans la cage d'escalier et il est introduit dans la cuisine où se trouvent Léa Duvivier et sa mère. À ce moment, Erner, explique-t-elle, reçoit un formidable coup de poing de l'Allemand chauve. Il avait la figure en sang et un œil très abîmé. Le Belge qui louchait disait à ma mère, « Vous voyez, c'est un juif. » Erner fut ensuite sauvagement battu. Elle explique qu'il recevait des coups dans le ventre et partout, on ne voyait plus ses yeux, il saignait des oreilles et des yeux. Il a de nouveau été frappé dans la cave. On l'a frappé à coups de manche d'outils et nous avons constaté, après le départ des Allemands, que 6 ou 7 de nos outils étaient cassés. Ils sont ensuite remontés. Et en passant dans la cuisine, ils ont déposé 2 ou 3 manches d'outils brisés en nous disant « Souvenir de votre juif ». S'il n'avait pas été de forte constitution, il serait mort sur place. On relèvera que l'état des outils était une préoccupation assez importante pour la famille. Confronté aux différents témoins, Siegburg ne reconnaîtra jamais rien. Il n'ira jusqu'au bout et jusqu'au dernier jour du procès, avoir soit vu ces personnes, soit leur avoir porté le moindre coup. En décembre 49, alors que le procès vient de commencer, le substitut Dubois retrouve l'entreprise de pompes funèbres dont on a parlé plus haut. C'est cette entreprise de pompes funèbres qui a procédé à l'enlèvement du corps de Erner. Et tous les deux, donc le père et le fils, vont témoigner du fait que Siegburg, en colère, a donné un violent coup de pied dans le cadavre de Erner. Mais là non plus, il ne lâchera rien, il ne reconnaîtra rien. Lors du procès, il ne sera pratiquement jamais question de la politique, de l'activité principale de Siegburg, à savoir la recherche et l'arrestation des Juifs. Seuls les faits concrets comptent, c'est-à-dire il faut établir absolument si les coups et blessures ont causé des lésions corporelles à Max Brunner et Sacher Hellmann, et s'il y a eu meurtre de Erner Hillel. Ce n'est que
lors de l'exposé des faits par le substitut Dubois à l'ouverture du procès, que sera abordée la politique anti-juive de l'occupant et le rôle majeur qu'a joué Siegburg dans la déportation et la mort d'une partie de la population juive du pays. Le substitut Dubois fera en quelque sorte aveu d'échec en expliquant dans son réquisitoire contre Siegburg que, je cite, « Au total, 25 437 juifs ont quitté la caserne de Saint à destination des camps d'extermination. Sur ce nombre, seuls 1276 juifs sont revenus d'Allemagne après la fin de la guerre. Par conséquent, 95% des juifs arrêtés et déportés ont été exterminés en Allemagne. Il faut dès lors considérer que, sans qu'il soit possible de déterminer le nombre de personnes arrêtées par Siegburg, 95% des juifs arrêtés et déportés par Siegburg ont été exterminés en Allemagne. Ceci explique qu'en dépit des déclarations de l'accusé lui-même, qui admet avoir frappé, lorsque, dit-il, des personnes offraient de la résistance, et des déclarations des membres du personnel de la Gestapo, tels que Weidmann, qui dit que Siegburg frappait assez bien les juifs, et Claes, qui dépeint Siegburg comme un étant brutal, antisémite et très acharné, eh bien l'instruction n'a pu faire apparaître que deux victimes de Siegburg. 95% de celles-ci sont mortes à Auschwitz. Les morts ne parlent plus. Alors, lors du procès, les juges vont déclarer Siegburg coupable de coups et blessures sur la personne de Max Brunner et d'assassinat sur la personne d'Erne Rinel, mais la prévention contre Hellmann Sacher est rejetée par manque de preuves. Dans son raisonnement, le tribunal indique que les sévices infligés à Erner ne pouvaient avoir que deux mobiles. Je cite, « Ou bien la volonté d'obtenir à tout prix que la victime révèle où elle avait caché son or, son argent et ses bijoux, ou bien la haine raciale. » La suite des attendus indique que le tribunal a fait le choix d'un crime à caractère exclusivement racial. Précisons que parmi les membres de la CIPO de Bruxelles, seul Siegburg a été traîné devant les tribunaux. Que ce soit ses collègues ou ses supérieurs, ils sont soit fugitifs, soit ils ont bénéficié d'un non-lieu. Alors, en conclusion, il semblerait donc bien que le procès de Siegburg ait donné l'opportunité à la justice militaire belge, ou à tout le moins à la deuxième chambre du conseil de guerre du Brabant, de sanctionner spécifiquement les persécution commise contre les juifs par les hommes de la CIPO en recourant au concept de crime contre l'humanité qui vise notamment les homicides pour des motifs raciaux, politiques ou religieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Zijn er vragen in de...